Madrid et on est maintenant à Cuenca qui est plus à l'est. Elles sont belles les roches. Elle est construite dans une sorte de cirque, plus ou moins. Dernier arrêt de la région Castilla-La Mancha, la Ciudad Encantada, la cité enchantée. C'est une région où il y a pas mal de roches, et en particulier ici avec des roches qui ont des formes un peu particulières. La Ciudad Encantada. À la base, elle est tout petite en fait. Comment ça tient ce truc-là? C'est une cité enchantée ou quoi? Conan le Barbare a été tourné ici.
tout sauvage pourtant. Regarde-moi. Et ben alors. On est arrivé en Aragon après avoir roulé une heure et demie à peu près sur des routes de montagne qui étaient magnifiques. On a vu toutes les couleurs, du vert des arbres, du jaune et du orange des pierres et puis de la terre rouge aussi. Et maintenant, premier arrêt en Aragon, le village d'Albarracín, apparemment l'un des villages les plus beaux d'Espagne. De ce qu'on en a vu a priori, l'hypothèse est toujours plausible. On va voir ça de plus près. Ça grimpe en tout cas. Il y a des chats. Donc déjà ça commence bien. S'il y a des chats déjà, c'est un bon point. Les feuilles de l'arbre sont rouges. Huit chats au moins. Ils sont pas copains, eux. Si vous avez peur des chats, ne venez pas à Albarracín. On est arrivé à Teruel, en train de transporter nos affaires jusqu'à l'hôtel. C'est beau. Apparemment l'hôtel est juste là-haut là, ça.
Bon, comme on en a marre de manger des films et qu'on n'a pas envie de finir trop tard non plus, on est venu dans un supermarché, juste à côté. Comme ça, on peut voir un peu qu'est-ce qu'ils vendent en Espagne aussi. Kizo Azul. Oh, c'est quoi Azul? Ah non, c'est du bleu. Ah non, c'est du bleu. Ah oui, c'est du bleu. Attends, il y a des chips au jambon ibérique, non? C'est toujours sympa de faire un tour dans les grandes surfaces à l'étranger. On trouve parfois des trucs auxquels on ne s'attend pas. Pourquoi il y a ça en Espagne et pas en France? Chips au jambon, c'est pas très vegan ça. 3D queso. Locaux, ouais. Non, c'est juste qu'ils ont traduit fromage en queso. Teruel, c'est une ville dans laquelle il y a eu une des plus importantes batailles de la guerre civile espagnole. Impressionnant, hein, un peloton. La principale offensive de cet affrontement plongea les régions de Terra Alta dans un obscur épisode de guerre et de dévastation.